ceux qui étaient annoncés. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Dans ce texte d'Ésaïe 53, en ce soir nous voyons combien notre Sauveur a été humilié, brisé, a porté nos souffrances pour que nous soyons sauvés. Pour que nous ayons la vie en lui, il s'est chargé de toutes nos souffrances, de toutes nos iniquités, de toutes nos douleurs. Et il nous promet d'être libérés en lui, lui qui a souffert pour nous. Allons-nous ce soir laisser ces souffrances de notre Sauveur vaines pour nos vies? Allons-nous mépriser encore une fois les souffrances de notre Sauveur en négligeant de nous abandonner à lui, en négligeant de lui remettre nos fardeaux, nos soucis et nos problèmes? En ce soir de sabbat ou de sabbatch, de shabbat, comme vous voulez le prononcer, en ce soir consacré à l'Éternel, ce jour saint et béni, l'Éternel nous demande de venir à lui, nous qui sommes fatigués et chargés, et de lui déposer nos douleurs, nos fardeaux, nos soucis, car en lui, nous avons la vie. Oui, vous connaissez certainement ce chant qui dit « Tel que je suis, je viens à toi, oh oui Seigneur, prends-moi ». Allons à notre Sauveur tel que nous sommes en ce soir de sabbat et laissons-le nous remplir de sa grâce.
laissons-le toucher nos cœurs, laissons l'Esprit Saint nous parler et nous conduire dans toute la vérité. Humilions-nous, confessons nos péchés, reconnaissons notre besoin de Dieu dans nos vies. Que chacun de vous soit béni en ce sabbat qui est un jour spécial, spécial d'adoration, en ces heures sacrées, que les bénédictions de l'Éternel rejaillissent sur chacune des personnes qui écoutent ces quelques paroles, et que vous soyez comblés des bienfaits de l'Éternel. Car oui, il a des projets de paix et de bonheur pour chacun de ses enfants, et son seul désir est que nous puissions nous confier en lui. Alors confions-nous en l'Éternel et attachons-nous à ses promesses. Je vais vous laisser apprécier ce morceau instrumental qui va être interprété. Appréciez-le et reposez-vous en l'Éternel. Amen.